La construction d'un immeuble est un parcours où chaque étape marque une avancée importante. Je vous emmène pour une visite guidée. Et n'oubliez pas votre casque. Tout commence par la recherche de terrains propices à la construction d'un nouveau bâtiment, situé le plus proche possible des écoles, des commerces et des transports pour répondre à vos besoins. Une fois le terrain trouvé, l'architecte, en collaboration avec le développeur, les bureaux d'études et le maître d'ouvrage technique et conception, réalise une étude de faisabilité du projet de construction. Objectif, déposer le permis de construire. Quand la mairie a reçu le projet, le permis est affiché sur le terrain et reste consultable par tous en mairie. Une fois les délais de recours écoulés et le permis validé, les travaux peuvent démarrer. Pour la sécurité de tous, les travaux débutent en général par le désamiantage et la dépollution du site. S'il y avait des bâtiments sur le terrain, on entame leur démolition, puis les travaux de terrassement afin de mettre le terrain au bon niveau. Voici arrivé le moment de couler les premiers bétons au niveau des fondations. La grue est montée à la fin de cette étape, car elle aussi a besoin de fondations. Ensuite, les bancheurs édifient l'infrastructure, la partie du bâtiment située entre les fondations et le rez-de-chaussée. Ils utilisent donc une banche, c'est un coffrage métallique qui permet de couler le béton à la verticale et de réaliser de grandes surfaces de murs. La météo peut jouer les troubles faits, surtout en hiver. Et oui, s'il gèle ou s'il pleut, le béton ne peut pas être coulé. La superstructure désigne tout ce qui est au-dessus du plancher bas du rez-de-chaussée jusqu'au plancher le plus haut. Elle est généralement réalisée en béton et de plus en plus souvent en bois. Les maçons lèvent les étages qui progressent peu à peu. Lorsque l'on coule le plancher le plus haut, la tradition veut que l'on hisse un drapeau pour signifier la fin du gros œuvre. Des électriciens et plombiers sont présents sur le site pour incorporer dans les planchers béton les futurs réseaux électriques d'eau ou de chauffage. Le bâtiment prend forme. On réalise l'étanchéité des terrasses. On ajoute la charpente puis la toiture. Le bâtiment est alors hors d'eau, c'est-à-dire que la pluie ne pénètre plus à l'intérieur. Les premières menuiseries extérieures sont installées ainsi que les équipements collectifs. Ascenseurs, réseaux de chauffage, de courant faible, clôtures, portails de garage. Et je vous rassure, je m'arrête là, je ne vais pas tous vous les citer. Lorsque l'ensemble des menuiseries est posé, la construction est dite hors d'air. De cette parfaite étanchéité dépend la qualité de l'isolation du bâtiment et sa durabilité. Le revêtement extérieur est posé et donne à l'immeuble son aspect définitif. La phase d'aménagement intérieur peut alors démarrer. La pose des doublages débute, suivie des cloisons et faux plafonds. Les futurs logements se dessinent peu à peu. En parallèle, les corps de métiers secondaires interviennent sur le chantier. L'électricien fait passer les câbles derrière les doublages ou dans les cloisons. Le plombier positionne les canalisations intérieures pour l'eau, la ventilation mécanique et le chauffage. Les revêtements de sol sont posés et les murs sont peints. Installation des meubles de salle de bain, pose des interrupteurs, de la robinetterie, raccordement au réseau, voici venu le temps des finitions. Elles sont très importantes pour votre confort. À l'extérieur, on réalise des plantations et le chantier est nettoyé. Tout est terminé. Vous récupérez vos clés lors de la visite de livraison, vous découvrez votre nouveau logement et réalisez un état des lieux détaillé. Vous pouvez emménager dès que vous le souhaitez. Une fois installé, vous bénéficiez non seulement d'un service après-vente, mais aussi de plusieurs garanties sur les équipements comme sur les bâtis. De quoi être serein pour de longues années. Vous connaissez désormais les coulisses de la construction de nos bâtiments. Rendez-vous sur notre site pour découvrir les prochains programmes conçus pour nos futurs clients.